L'ouverture du championnat du monde 1988 de trial a eu lieu comme l'an dernier à San Llorenç de Morunys, au sud de la province d'Andorre. A l'exception de l'édition 1986, l'honneur de cette première manche revient au motoclub Tarrasa depuis 1981. L'Espagne présente donc pour les amateurs de trial un double intérêt. D'une part, une organisation en tout point irréprochable devant un public de connaisseurs, et d'autre part, la présentation des nouvelles équipes et des progrès techniques habituellement dévoilés à l'occasion de toute première. Pour ce qui est de la technique, des trois marques qui ont dominé l'année 1987, seule l'usine Fantic a réalisé cet hiver d'importantes modifications. Les moteurs des 303 d'usine, grâce à un nouvel échappement et à un gros travail sur la carburation et l'allumage, offrent une puissance et un couple en net progrès. A noter qu'en ce début de saison, Thierry Michaud et Steve Saunders utilisent un carburateur Mikuni, alors que Donato Milio emploie le Dell'Orto. Comparativement, l'Aprilia TX312 et la Beta n'ont guère évolué, la TR34 adoptant quelques pièces en titane ainsi qu'un carter d'allumage plus étroit. Au niveau des équipes, la saison 1988 promet un spectacle musclé. Beta conserve le champion du monde Jordi Tarès et l'italien Renato Chiaberto. Aprilia compte sur le vice-champion Diego Bosis. Mais c'est Fantic qui présente le team le plus complet et le plus international avec le français Thierry Michaud, l'anglais Steve Saunders et l'italien Donato Milio. Mis à part l'arrivée de Milio chez Fantic, rien de bien nouveau donc dans les équipes de pointe. Mais quelques gros transferts chez la concurrence pourraient créer la surprise. Chez Montesa, le français Philippe Berratier et l'espagnol Gabino Reynales. Chez JCM, le retour de Pascal Couturier. Et chez Merlin, le Belge Eddy Lejeune qui fait sa première saison sur une moto autre que Honda. Jordi Tarès ne peut logiquement qu'améliorer son résultat de l'année dernière. À pareille époque, il avait en effet été exclu du classement pour retard à l'arrivée. Saunders, Bosis, Lejeune et consorts se souviennent aussi de cette mésaventure. Parmi les favoris, seul Thierry Michaud avait réussi à rentrer dans les temps. Cette année, ses adversaires n'allaient plus se laisser surprendre. Au programme de cette journée espagnole, trois tours de 15 zones et 15 km, soit un tracé devenu classique au mondial, la plupart des organisateurs adoptant en effet le principe des trois tours, selon les recommandations de la FIM. Vous ne serez sans doute pas étonné d'apprendre que le Grand Prix d'Espagne s'est déroulé sous un soleil radieux et que le terrain était essentiellement sec. Mais les organisateurs ont tout de même eu la bonne idée de tracer quelques difficultés dans l'eau, ce qui assure à l'épreuve une variété nécessaire et appréciée. Ah,
Dans pareilles conditions, on peut dire que Jordi Tarès a fait une course prudente. Troisième à l'issue du premier tour, il remonte en seconde position le tour suivant, avant de redescendre à la troisième place finale. Au même endroit, Thierry Michaud connaît quelques difficultés, mais tout reste possible après les deux premières boucles. Les écarts sont en effet minimes entre les hommes de tête. Saunders mène avec 2 points d'avance sur Tarès et 3 points sur Michaud et Bozis ex aequo. Au guidon de la nouvelle JCM qui se caractérise toujours sur le plan technique par son réservoir sous la selle, Pascal Couturier navigue aux alentours de la 13e place. Quant à Philippe Berlatier, il prouve d'emblée qu'il faudra compter avec lui et avec la Montesa 307 dont le potentiel est prometteur si l'on en juge par cette figure de type indoor. Pour Eddy Lejeune, cette première sortie sur la Merlin se solde par une 10e place rassurante. Rassurante dans la mesure où l'ancien champion du monde est heureux de pouvoir bénéficier d'un gros moteur, comme à l'époque des Honda 360. Thank you.
Face à Thierry Michaud, Steve Saunders ne pourra rien faire dans le dernier tour. Avec plus du double de points, l'Anglais doit laisser passer le Français au classement final. Mais regardez bien ce pilote, nous en reparlerons sans doute cette saison. Il s'agit du Finlandais Tommy Avala, dont l'âge exact est jalousement tenu secret. Une chose est sûre, il n'a pas 18 ans. Que j'affectionne particulièrement, pas seulement parce que j'ai gagné, mais disons que dans le sud de la France où j'habite, le terrain ressemble beaucoup à celui-ci. J'aime beaucoup les terrains secs et je prends toujours plaisir à rouler en Espagne parce que l'Espagne c'est un petit peu le pays du trial. Il y a un très bon public et c'est en plus la première épreuve. Donc c'est tout un tas de raisons qui font que ce soir je suis vraiment très très content, d'une part parce que j'ai gagné une épreuve de championnat du monde et en plus j'ai gagné l'Espagne. Thierry, l'an dernier, tu n'as gagné aucun Grand Prix et cette année, tu remportes d'emblée l'ouverture. Tu annonces ta revanche ? Disons, il est vrai que l'année dernière, plusieurs fois, j'ai failli gagner. Je n'ai gagné aucune épreuve. Je pense qu'au moins une, je devais la gagner. C'est chose faite cette année. Évidemment, d'autant plus que c'est la première, c'est très important. Je pense, en ce qui concerne la suite du championnat du monde, qu'un pilote comme Jordi Tarrés et Diego Bosis, les deux jeunes qui sont en haut, puisque Tarrés est champion du monde, sont quand même les deux favoris. Je pense que si je roule dans de bonnes conditions, avec la moto que j'ai actuellement qui marche très bien, que je n'ai aucun problème, que tout se passe bien, j'ai la possibilité de rouler comme je l'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire de montrer que je roule encore très bien et de gagner plusieurs épreuves. Et ensuite, il faudra voir ce qui se passe. Mais même si Jordi Tarrés a fini quatrième, je crois, troisième aujourd'hui, il est quand même le favori du championnat du monde et il sera très dur à battre. Prenez une flopée de longues montées et de longues descentes. Ajoutez-y quelques zones dans une carrière, saupoudrez le tout de pluie fine ou torrentielle, au choix, et vous obtiendrez le Grand Prix d'Angleterre 1988. Autant l'avouer de suite, le trial de Waterlooville, à côté de Southampton, dans le sud de la Grande-Bretagne, n'a pas plu à la majorité des intéressés. Parking spectateur inexistant, file d'attente pour les navettes assurées par minibus, zone toute identique ou presque,
organisation peu prévoyante, voilà qui donne une pâle image du trial britannique. Même les locaux ont moyennement apprécié. L'astuce est pourtant simple, du moins en théorie. Voilà, vous passez la troisième ou la quatrième vitesse et bonne chance les copains. Moralité de l'histoire, 2,7 points en moyenne par zone au premier tour pour les leaders Saunders et Michaud. Et sachez encore qu'ils vont porter cette moyenne à plus de 3,3 points par zone au second tour. C'est tout dire. Steve Saunders est le favori logique de cette manche anglaise. Il a d'ailleurs déjà remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne en 1986 et 87. C'est la première fois qu'est organisée une manche mondiale à Waterlooville, mais les trialistes britanniques y viennent deux fois par an pour disputer des épreuves nationales. De l'avis de Saunders en personne, c'est une course très spéciale, peu appréciée des nordistes de l'île. Saunders partageait la première place avec Michaud au premier tour. Il prenait un avantage de 3 points au second, puis, sur une troisième boucle plus petite, encore une particularité de cette épreuve, l'Anglais faisait un forcing à la Michaud, c'est-à-dire un tour canon, qui lui assura finalement 20 points d'avance en fin de journée. Mis à part Thierry, les Français n'étaient pas vraiment à la joie. 12e après deux tours, Philippe Berlatier doit sa 9e place finale à une superbe fin de parcours. Yeah.
Pascal Couturier a dû laisser la 11e place au Belge Daniel Crosset. 3-0 pour le Belge, 2 pour le Français, et cela sur un total de 42 zones. Maigre journée aussi pour Jordi Tarès qui n'a jamais quitté la 4e place. On pensait que le roi de la conduite indoor allait trouver ici de quoi s'exprimer, il n'en fut rien. Le tiercé anglais ne manquera pas de relancer le championnat. Premier, Steve Saunders. Deuxième, Thierry Michaud. Et troisième, Diego Bosis. Au classement provisoire du championnat, Thierry et Steve se partagent en effet la première place, Tarès et Bosis étant ex aequo en troisième position. Voilà nos artistes à l'entraînement en Irlande, à Newtown Arts. La proximité de Belfast n'a heureusement eu aucune répercussion politique sur le trial, troisième manche de la saison 1988. Le Hurst Cup, du nom du propriétaire du terrain, Charles Hurst, est une épreuve ancienne du calendrier international. Mais les zones ont évolué et la course a pris, de l'avis des pilotes, la bonne direction. Des innombrables mares de boue ne subsistent en fait qu'un seul bourbier. Des zones étroites et tortueuses d'antan, on est passé à quelque chose de plus large. Mais rassurez-vous, le manque d'adhérence reste toujours un problème majeur dans ce beau pays.
D'emblée, la journée commence mal pour le champion du monde Jordi Tarrés. Avec 10 points de plus que Thierry Michaud, Jordi se classe en 10e position. Vous l'avez compris, le Grand Prix d'Irlande est plutôt facile puisque les meilleurs tournent à moins de 10 points par tour de 15 zones. Thierry confirme pour sa part ses prétentions. Il prend vite le commandement de la course devant un étonnant Diego Bozis et un non moins étonnant Peter Yann. 8e en Espagne et 8e en Angleterre, ce Finlandais nous fait le coup de la seconde jeunesse. Sans l'Irlande, l'équipe espagnole, qui avait pourtant démarré très fort l'an dernier, en fera cette fois les frais, avec Andreu Codina, puis avec le maître Jordi Tarrés en personne. L'équipe espagnole, seul Luis Galiac et sa Meca Techno ont bien dominé le sujet. On s'attendait à un nouvel exploit de Steve Sound sur le sol anglo-saxon, mais la journée a très mal débuté pour lui aussi. Avec 8 points de plus que Thierry Michaud, il était relégué en 8e position.
Thierry Michaud. La rage. Le second tour va en effet conforter l'avance du pilote Fantic. 6 points sur Bozis et 12 points sur Peter Yan. Thierry peut donc prendre confiance, la victoire n'est pas loin. À condition bien sûr de ne pas accuser de grosses erreurs sur un parcours aussi facile. Craignent les meilleurs dans pareil bourbier, c'est la noyade. La noyade du moteur, évidemment. Quoique le trialiste n'est pas plus à l'abri que la mécanique. Voilà.
Demandez donc à l'Italien Renato Chiaberto ce qu'il en pense. Sa moto nécessite un démontage complet dans les règles de l'art. Jordi Tarès, une sixième place se dessine à l'horizon. Et quand on vise le titre, il s'agit d'un faux pas dont les adversaires profitent au maximum. Dans la course au laurier 88, l'Espagnol a été le premier à craquer. Et notre ami Renato, toujours au démontage, bon d'accord. Illustration par Maître Bozis de ce qu'il ne faut pas faire dans un bourbier, c'est-à-dire passer en force. La boue liquide made in Ireland a vite fait de noyer allumage ou carburateur. Du coup, Diego va rétrograder de la deuxième à la quatrième place finale. Et notre ami Renato ? Ah, bah, il a récupéré sa moto. Bon, très bien. Deuxième victoire en trois manches pour Thierry Michaud. Ne pas confondre, le premier prix, c'est le trophée. Thierry prend par la même occasion la tête du classement provisoire du championnat du monde.